Salut à tous, cette vidéo a pour but de vous montrer où est le marchand de récompenses, ceci vous permettant d'accéder à vos contenus que vous avez soit achetés grâce à la précommande, l'armure Hamzat, ou soit les pièces d'armure que vous accédez grâce au club Ubisoft que vous pouvez débloquer soit en jouant en ayant donc des points Ubisoft et par la suite d'acheter des skins qui sont offerts aux gens ayant des points Ubisoft. Alors si je me trompe pas, il y en a quelques-uns. Il y a le Rainbow Six que vous obtenez que si vous avez déjà joué à Rainbow Six et que vous l'avez acheté. Après, il y a les deux skins qui sont offerts par la bêta. Alors moi, personnellement, ça n'a pas marché, je sais pas vraiment pourquoi. Après, vous avez un skin peinture que vous pouvez aussi récupérer avec des Ubisoft points. Alors vous avez beaucoup de skins différents. La plupart sont pas très jolis, ça c'est sûr. Ainsi que vous pouvez débloquer la Soundtrack, etc. Bon, pour l'instant, c'est pas très développé, donc il n'y a pas grand chose. Mais de ce que j'ai compris aussi, on pourra en récupérer par la boutique, qu'on peut déjà d'ailleurs, si je me trompe pas, en avoir. Si je me trompe pas non plus, il y a déjà deux skins, deux skins qui sont déjà en vente, si je me trompe pas. Il y a les skins autrichiens, que vous pourrez voir sur le store dans la boutique. Je vais vous montrer ça. Si je me trompe pas, ils sont juste ici. Alors où est-ce qu'ils sont? Dans les contenus DSL, il y a le skin autrichien, je crois qu'il était offert par les précommandes chez eux. Bon, c'est un style assez militaire, classique, USA. Il y a un style allemand. Bon, c'est dans les certes, les deux skins sont vraiment pas très jolis, donc moi personnellement, j'achèterais pas ça. Et je crois que si je me trompe pas, qu'il coûte dans les 4,99€. Voilà. Alors pour le set transmo de la... Enfin, moi j'appelle ça des transmos, habitué à vous. Pour les sets de... Donc les vêtements que vous pouvez développer au fil du jeu, donc les apparences. Par exemple, je prends un chapeau, hop. Moi j'ai la version saison pass, donc j'ai eu accès à divers skins différents. Donc par exemple, je prends ma casquette de siège, hop, mon personnage, il change. Il a la casquette de siège. Voilà, c'est pas très compliqué. Par contre, ça paraît idiot, mais c'est pas indiqué du tout dans le jeu comment on le récupère. Donc premièrement, pour les récupérer, vous serez obligé d'aller dans Ubisoft Club. Non, je me suis trompé, pardon, c'est boutique. Oula, boutique et saison. Saison, voilà. Récompense, et là vous cliquerez sur et récupérer. Donc normalement ça vous mettra comme quoi vous pouvez désormais le récupérer. Alors où on peut récupérer ça? C'est sûr que c'est pas du tout expliqué dans le jeu, c'est juste dit que c'est un marchand. Alors le marchand est débloquable dès que vous accédez à votre QG, donc ça c'est y penser. Vous allez tout droit et vous y êtes. Alors, vous lui parlez et normalement il va proposer tous les skins que vous aurez achetés. Alors à savoir que le skin Hamza n'a pas été pour certaines personnes envoyé par adresse mail, c'est Ubisoft qui gère ça. Donc soit vous l'aurez aujourd'hui, ce soir ou demain, donc je m'avancerai pas parce que je ne suis pas dans la compte d'Ubisoft, mais normalement c'est comme ça qu'on l'obtient. Voilà. Puis quand vous l'obtiendrez, vous reviendrez voir le vendeur. Il y a quelque chose qui plaît. Allez, sur ce, je vais vous laisser, et puis si vous avez besoin d'aide pour certaines autres choses, des tutos sur comment récupérer les schémas pour vos armes, les missions, si certaines missions vous posent problème, je pourrais faire des tutos. Je pense aussi faire des streams de des soirées de notre team sur la Dying Zone, etc. Sur ce, bonne fin de soirée à vous, et à plus.